First, I would like to say that it's a great honor for me to be accredited as ambassador of Sweden to Haiti. En premier lieu, j'aimerais dire que c'est un grand honneur pour moi d'être accrédité en tant qu'ambassadeur de la Suède en Haïti. And it's also been very interesting to meet with your president and also with your foreign minister. Et également, ça a été un grand plaisir pour être un immense honneur d'être de pouvoir rencontrer le président et également le ministre des Affaires étrangères. We've had very good discussions on a variety of issues. Nous avons eu de bonnes discussions dans le cadre de la réalité des choses. Sweden is one of the main contributors to the United Nations. La Suède, c'est l'un des plus grands contributeurs pour les Nations Unies. L'un des plus grands contributeurs pour les Nations Unies. And Swedish money makes it possible for UNICEF, UNDP, UN Women and others to do the work here in Haiti. Et également, ils ont contribué au travail. En fait, les dons de la Suisse ont contribué au travail de l'UNICEF, ONU Femmes et également le PNUD. Sweden is also a member state of the European Union. Et la Suède également est un État membre de l'Union européenne. And we are fully behind the work of the European Union in Haiti. Et nous supportons complètement, totalement le travail que fait l'Union européenne ici en Haïti. Ministère intérieur à collectivité. Pas gain rien pour le cacher, mais plus toujours, contrairement à certains, ça moun ta ka penser, c'est personnel administration ministérielle lui-même qui en premier, dans la semaine 2, pour arriver 6 octobre passé, qui fait rapport par le ministre intérieur pour signaler l'irrégularité. Sous base, le ministère intérieur lui-même, dans la semaine 9 pour arriver 13 octobre 2017, là, tout de suite, tu commencé à faire première analyse dossier et alerter le ministère économie et finance sans perdre de temps sur la situation. Tout ça a été fait avant même que correspondance ministère finance qui fait scandale bricouri sur les réseaux sociaux qui en date 12 octobre 2017 là. Nous voulons dire que le ministère intérieur pas responsable Zach Ford Sayo. N'a dit plutôt ministère intérieur victime, même gens à plusieurs autres institutions en bayon réseau malfecteur qui c'est spécialiste n'a fait faux chèque et latrier qui malheureusement poté aller l'argent l'État dans un compte intérieur gagné la banque. Pour permettre nous comprendre plus bien toujours, n'a partagé avec nous quelques informations sur comment enquête la marché. Enquête cap mené permettre nous découvrir que gagne un réseau malfecteur cap opéré dans tout pays n'a fait crime financier. Nous découvrir réseau ça gagne contact avec ramification dans secteur privé tant qu'au secteur public là. Côté il a frappé depuis quelques jours moi pour pas dire l'année. Gagne un pile monde qui en bacode. Commissaire gouvernement et unité spéciale dans la police là fait filati et puis poser la main sur 11 moun toujours dans semaine qui sont passées. Dans fouille PNH avec la justice fait la caille moun sa yo qui pas fonctionnel l'état m'a rappelé pour nous dans moment arrestation yo joine chèque yo te continuer à modifier et puis logiciel et matériel pour faire travail ça. En dans réseau ça, yo spécialisé dans faire faux chèques. Yo nan fait fraude tout sous 4 crédits local ou international. Yo nan fait faux documents identité, passeport et latrier. Même réseau ça a créé plusieurs faux entreprises sous papier pour blanchir l'argent et puis faire coup en battable. Rejoindre possibilité d'ouvrir plusieurs comptes dans divers banques dans le pays.
ak papier sa yo pour faire transaction sa yo passer. Mwen ka cité kek nan yo: Jean-Bas Autodil, Jean-Bas Quincaillerie, Jego location de voiture, Pouda provision alimentaire, etc. Nan cadre enquête là, nous joignons trace réseau gang ça mené déjà diverses opérations volant l'argent sous compte la banque diverses institutions parmi eux ministère intérieur. Gen opération qui fait en 2017, en 2016, en 2016 pardon, et puis plus loin toujours. Gen pile efforts plusieurs institutions nationales cour international a fait ensemble pour mener enquête ça, pour permettre nous mettre en bas code tout responsable à complice réseau ça qui gen moun la dans nous arrêter. Jodi a, pendant que ministère intérieur a travaillé et puis continuer collaborer avec paquet et puis la police pour lumière faite net sous dossier ça, n'a profité remercier directeur général ministère DG Fednel mon chéri, administrateur ministère, m'a pris un petit temps pour me souligner que administrateur a gagné 4 mois dans tête dans poste là pour occuper dans ministère. N'a salué comptable en chef là qui gagne 1 mois dans poste là, et puis toute équipe personnelle direction administration ministère qui nan vigilance te wè problème nan et puis agi pressé nan intérêt l'état. Nan nou ministère, nan nou chef l'état ak chef gouvernement, nan nou l'autre institution publique kou privé victime yo, mwen vle di nou a équipe la bravo et merci en pile. N'a remercier tout. Tout l'autre employé nou yo nan ministère qui frappé par situation ça, mais qui rete debout. Grâce à courage yo, journée jodi a, ministère continue à travailler. Nan cadre d'enquête là, paquet t'est arrivé tande 7 employés ministère. Gen 5 là-dedans yo, yo t'est tande pendant plusieurs et temps. Mais yo pas joindre rien pour reprocher yo et qui te retourne la caillou. Et puis journée jodi a qui nan travail yo. Gen 2 autres employés nou yo, la justice ap tande yo pour wè si yo ta gen a revoir ak dossier a. Ministère ap veye nan kas a pour droit yo respecter et puis joindre tout support légal yo ta besoin. Yon lot bon, avant nous fini, n'a remercier tout appareil justice là, sorti commissaire gouvernement Port-au-Prince là, substitut yo ak toute équipe yo, magistrat ak juge de paix yo et latrier. Nous voyons gros coup de chapeau pour PNH là qui montrait li professionnel en pile dans dossier ça et qui mettait en pile tactique de yo. N'a salué DCPJ spécialement BAF pour arriver prendre bandi ça yo yon après l'autre. Nous pas manquer remercier tout. MEF, BNC, BRH, banque privée et tout le monde qui continue à collaborer avec la justice dans le cadre d'enquête là. La réforme de l'administration publique est placée sur l'impulsion du chef de l'État, monsieur le président de la République, son excellence Jovenel Moïse. Et c'est dans ce sens-là, en date du 7 avril 2017, Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine a adressé à l'OMH une feuille de route, côté que il était clair que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de son gouvernement et en conformité avec les attributions de l'OMH, il était banou le pilotage de la réforme de l'État à tous les niveaux de l'administration centrale. Réforme ça doit aller vers une administration publique modernisée qui est apte à fournir un service public de qualité et vers une fonction publique compétente, professionnelle et attractive. Et il demande de nous tout pour nous prendre toute disposition, toute action
que nous estimons que cap nécessaire dans le cadre de la réforme, ça, avec comme objectif pour nous placer citoyens, compatriotes, nous, contribuables au cœur du service public, conformément aux vœux du président de la République et à sa déclaration de politique générale approuvée par le Parlement. C'est dans ce sens-là que nous mettons en place un plan d'action qui était très ambitieux et pour être capable de permettre nous d'atteindre et objectif ça. Et c'est l'occasion ça que nous gagnons, côté que nous pourrons présenter différentes réalisations qui faites pendant les 6 derniers mois pour l'exercice fiscal 2016-2017 et peut-être effleurer rapidement les perspectives pour l'exercice 2017-2018. Et comme nous connaissons finalité et feuille de route là, c'est pour que OMH soit capable d'œuvrer pour nous réconcilier le contribuable avec l'État à travers, comme je dis tout à l'heure, un plan d'action ambitieux qui place le citoyen au cœur des services publics. Des actions stratégiques ont pu être mises en œuvre et des avancées majeures sont aujourd'hui constatées en droite ligne avec la vision du président de la République et du Premier ministre. Ce qui, objectif là, c'est de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030. Donc, à partir de là, que réforme non est en marche. Il faut nous dire que modernisation de l'administration publique, c'est une nécessité, ce n'est pas une option, parce que nous connaissons que si nous n'avons pas une administration publique d'excellence, performante, compétente, donc nous ne pouvons pas arriver au développement. Donc la réforme de l'administration publique, c'est la clé du développement. Et la réforme, nous avons été conduits autour de trois grands axes. Premier axe, là, c'est mettre à la disposition de l'État des ressources humaines suffisantes, compétentes et motivées pour un service public de qualité. Deuxième axe que nous travaillons, c'est créer les conditions favorables pour que gagnons une administration publique compétitive et efficace. Et troisième axe, là, c'est créer des services publics de proximité qui vont travailler dans la célérité et la transparence pour la satisfaction des usagers. Et seul objectif que nous gagnons, c'est réaliser les résultats ça. Que le président Abtan dans mes noms, ainsi que le premier ministre. Dans ce sens-là, que nous avons commencé avec d'abord renforcement institutionnel. Nous avons un organe qui est extrêmement important, qui est le CESAF, qui est le Conseil supérieur de la fonction et de l'administration publique, qui est composé des ministères, de 7 ministères, et notamment des ministères très importants. Et dans l'espace, ça, il y a des personnalités de la société civile qui font partie de l'organe de conseil du Premier ministre à ce que toutes les grandes décisions que nous prenons dans le cadre de la réforme nous associent à la société civile. Donc, il y a plusieurs partenaires, acteurs que nous travaillons avec eux, avec la société civile, soit dans le cadre de symposium, soit dans le cadre avec le Parlement, soit dans le cadre de consultation. Donc, au niveau du CESAF, il y a trois représentants, trois personnalités de la société civile. Nous avons d'abord le recteur de l'université qui représente le monde universitaire. Nous avons le forum privé des affaires et nous avons l'office de la protection du citoyen qui représente le secteur des droits humains. Donc chaque décision qu'on prend en matière de réforme, le Premier ministre a convoqué tous ces acteurs avec les différents ministères. Donc, pour parler de réforme, ça permet nous pour de mieux faire connaître au jour le jour le travail de l'OMH, les avancées de la réforme, entre autres d'informer et de communiquer avec l'opinion publique et de rapprocher en même temps les pouvoirs de l'État avec la société civile dans ses différentes composantes. Et c'est grâce avec convocation CESAF que nous sommes arrivés à faire et qui vient longtemps que instance ça pas de jamais arriver réunir et c'est un point que nous avons dans le plan d'action, c'était de remanier le CESAF avec volonté leadership qui développait. Donc nous arrivons à organiser
première convocation contre ces affaires-là. Et c'est ça qui fait que, au parle que nous avons membres jury qui t'ont aidé nous dans l'organisation, qui était en charge même de l'organisation et du concours de recrutement pour le corps d'administrateur d'État. Et lorsque nous parlons pour me présenter, yo, après que yo issu de la société civile et yo représenté différentes institutions de la société civile. Nous avons une commission qui est créée interministérielle avec des spécialistes et des hauts cadres de tous les ministères et des professeurs qui accompagnent nous dans ce sens-là pour nous doter et les ministères de lois cadres et de lois organiques. Donc actuellement, hier, on a soumis au Premier ministre le texte de réécriture du décret de 2005 portant sur l'administration publique. Nous travaillons aussi d'ici la fin du mois de novembre pour nous soumettre texte sur la fonction publique. Et en même temps, nous travaillons avec des partenaires, les partenaires techniques et financiers, côté que pour nous travailler dans le sens pour nous moderniser le cadre normatif des institutions du pays. Et comité de révision, ça, comme nous dit Ligien Ladani, et la primature, le secrétariat général de la primature, l'unité juridique de la primature, le secrétariat général du conseil des ministres, le représentant du cabinet du président de la République, les représentants des ministères, et Ligien aussi des experts nationaux et étrangers qui peuvent collaborer avec nous dans le cadre de travail ça pour nous doter les institutions, les ministères de loi cadre, de loi organique. C'est un concours qui commence par un recrutement et puis bon, nous réaliser les dossiers qui sont analysés, qui sont étudiés pour essayer de répondre à critères qui étaient dit pour être capable de participer dans le concours dans un premier temps. Et ensuite, il y a les épreuves écrites qui étaient réalisées. On croit que il y a des gens qui étaient déjà là le savent pour t'entendre parler de l'épreuve écrite là. Nous connaissons que tu as un candidat interne, tu as un candidat externe. Et le coordonnateur général a fait tout dit non, candidat interne dans l'IOA, c'était des gens qui étaient déjà dans la fonction publique. Et les candidats externes, c'était des jeunes relativement parlants, qui pouvaient que nous t'offrions opportunité, l'État haïtien t'offrions opportunité pour t'y rentrer dans la fonction publique. Donc deux candidats, deux groupes de candidats SAO qui soumettent à des épreuves écrites qui ont une légère différence entre eux-mêmes. Et après l'épreuve écrite là, nous avons fait une première sélection. Il y a 126 qui étaient retenus. Et ces 126 ont passé également en épreuve orale. Et après l'épreuve orale, ça, qui était organisée également en fonction de six candidats internes ou externes. Donc il y a deux sous-jury, un jury interne, un jury externe, et candidat ça a été tendé. Et après tout ça, nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui, il y a 50 qui est retenu, dont 18 qui sont dans le candidat interne et 32 qui sont dans le candidat externe. C'est un atelier côté nous restituer résultats et ça que nous relais en audit organisationnel de secteur sécurité alimentaire. Et sécurité alimentaire, nous connaissons, c'est un thème qui est important. C'est deuxième et objectif de développement durable et Nations Unies que le gouvernement a adhéré à l'I. Et c'est un domaine qui implique en pile acteurs, aussi bien des ministères que des acteurs de société civile, que des associations de producteurs, etc. Donc, c'est dans le cadre des supports budgétaires de l'Union européenne par le gouvernement à travers l'OMRH que l'audit s'est réalisé. Il était important et matin pour présenter le résultat de l'audit à grand public là, pour que nous connaissions d'abord que l'audit l'a fait, nous connaissions qui est manqué la dernière.
et nous connaissons les recommandations qui fait principalement sous nécessité d'échanger, nécessité de mettre coordination en dans et secteur et nécessité harmoniser texte de loi qui supportait effectivement une politique publique qui répond à besoin PIA en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà. Donc pour ça, évidemment, nous avons avec nous et ministre clé et ces questions de sécurité alimentaire qui c'est agriculture, affaires sociales, santé publique et nous avons éducation qui était là tout. Et nous tendons dans l'audit là et nous disons que il y a des ministères qui sont importants au niveau central, qui sont le ministère intérieur, le ministère de planification et le ministère des finances. Et en bout de chaîne, tout le ministère tout aussi important comme dans la République. Si par exemple, manger à produire en dehors, il n'y a pas descendre et venir dans la population jeune manger. Donc c'est vraiment un bagage qui concerne tout, qui implique tout le gouvernement. Et c'est pour ça que tout partenaire et technique et financier qui en d'un pays a appuyé bagaille ça, notamment l'Union européenne qui finançait une initiative de ça. Bah, éventuellement, je. Si on savait qui vous jouez combien de temps au titre là, qui est le bon, c'est qui le dit. Moi, t'as dit, madame, t'as dit tout à l'heure que l'audit a duré 40 jours, c'est ça? C'est son bail qui durait 40 jours avec des missions souterraines. Des rencontres différentes et acteurs qui impliquent les ministères, organisations, société civile, des organismes autonomes, toute quasiment chaîne d'institutions qui impliquent dans la question de sécurité et alimentaire, que mission a été rencontrée. Et ils ont fait un atelier et une journée, côté où ils ont 6 groupes thématiques qui travaillent pour approfondir des questions qui ont pas de temps et débattre dans l'enquête qu'ils ont fait et au niveau au terrain. Le premier des thèmes, donc je vous conseille vivement d'essayer de retrouver des petits bulletins, c'est faire de la SAN une politique publique complète, dotée de tous ses instruments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des textes juridiques, ça veut dire un plan national stratégique, ça veut dire une cartographie des acteurs, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, ça veut dire aussi un panorama des sources de financement internes et externes, comme il l'a dit, ça veut dire des outils et méthodes, ça veut dire un suivi-évaluation. Et je suis ravie de savoir que la task force qui a été mise en place au mois de juin va reprendre ses travaux. Ça avait été arrêté par l'ouragan Mathieu en octobre 2016. Et puis les ressources humaines, la capacité administrative. Donc ça, c'est la première des recommandations. Ensuite, une recommandation qui a été reprise par le secrétaire général et l'ambassadeur et qui est essentielle. Alors évidemment, ce ne sont pas les ministères présents là que je vais mettre en avant. Ce sont ce qu'on appelle les ministères régaliens, ceux qui tiennent en fait le pays, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales qui étaient présents dans la salle, représenté par le coordonnateur des délégations, c'est le MPCE, c'est toute la planification stratégique de l'action de l'État, hein, le ministère du Plan, et puis c'est le MEF, c'est-à-dire celui qui détient les cordons de la bourse. Donc ces trois-là, ils sont évidemment sous-jacents dans toutes les politiques nationales, mais dans le cadre de la SAN, qui est si complexe, ils sont absolument essentiels. Ensuite, comme l'a dit Monsieur le Secrétaire Général, qui a repris un certain nombre de ces recommandations, il faut élargir le cercle. Il y a plusieurs cercles concentriques. Il y a le cercle des ministères, et donc là, nous avons le cœur du dispositif, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il faut aussi, en plus des régaliens, il faut les techniciens qui sont au cœur de la problématique, l'environnement. Parce que si les sols sont ravinés, on ne pourra pas faire de l'agriculture. Les transports, parce que si on ne transporte pas les objets que l'on a produits, ils sont perdus sur place. Vous avez l'éducation nationale, qui est un levier énorme. Alors je crois que le ministre de l'éducation nationale était là, les cantines scolaires. Sauf que personne n'a dit une chose, c'est que les cantines scolaires, c'est 20% des enfants, puisqu'on le sait, c'est 80% de privés en Haïti. Et puis le dernier ministère, c'est celui du commerce et de l'industrie. Ils n'étaient pas là ce matin, j'ai l'impression. Néanmoins, ils sont très importants pour deux aspects. Ils sont importants pour la protection du consommateur. C'est eux qui sont responsables de ça. Et ce qu'on appelle, entre guillemets, comme l'a dit très bien le docteur tout à l'heure pour représenter la santé, on mange peu, mais surtout on mange mal.
Donc la protection des consommateurs, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et ensuite, vous avez tout l'aspect du petit commerce. On a vu l'aspect des coopératives, mais il y a aussi tout le petit commerce. Or, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est la production, mais c'est aussi la commercialisation, la diffusion, etc. Et comme l'a dit le secrétaire général, ça ne suffit pas. Il faut le cercle plus large des services des élus de tout le territoire, de la société civile, des ONG, des PTF, des syndicats de producteurs, etc. La SAN, c'est le pays tout entier. Et pour ça, eh ben, il faut une architecture, c'est la quatrième recommandation, il faut une architecture, il faut un système qui puisse intégrer, fédérer, mettre en synergie tout ce monde, et il faut un pilote dans l'avion. Et quand on a une interministérialité, le pilote, il est à la primature. Et c'est pourquoi moi je plaide que la CNSA, qui est actuellement sous tutelle du ministère de l'Agriculture, monte d'un cran et soit reconnue, légitimée au niveau de l'interministérialité. Et je n'oublie pas bien sûr le législatif, parce que là nous sommes dans l'exécutif, mais le législatif est essentiel puisque c'est lui qui va produire les lois. Or cette loi, pour le moment, elle n'existe pas. Hein. Donc voilà, la priorité, c'est que tout ce monde se mette au travail et que le Parlement puisse produire une loi en respectant la Constitution, c'est-à-dire d'origine, un projet de loi par le budget, puisqu'il est prévu dans cette loi, à l'article 18, un fonds d'urgence. Et ce fonds nécessite la direction du budget. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'une des quatre priorités fondamentales décidées entre l'État haïtien et l'Union européenne. Donc, et nous avons là un objectif commun. L'objectif commun, ce que la général a rappelé, c'est les objectifs des mouvements soutenables numéro 2, c'est d'éradiquer la faim. Alors des efforts ont été entrepris depuis un certain nombre d'années, mais lorsqu'on fait la photographie aujourd'hui, il faut bien constater qu'il reste encore beaucoup à faire. 25% de la population est en situation de malnutrition. On l'a rappelé tout à l'heure, un enfant sur cinq est lui aussi en situation de malnutrition. Donc il faut prendre à bras le corps ce problème, si je peux dire, le prendre tous ensemble. Il faut réunir nos forces tous ensemble pour effectivement adresser ce problème. D'où la nécessité d'avoir une coordination entre l'ensemble des ministres. Ils sont tous présents ici dans cette table, ils étaient tout à l'heure dans la salle. C'est très important et il faut un pilote effectivement à la tête de ce processus et c'est bien sûr le rôle du Premier ministre et de la primature. Il nous faut ensuite une véritable stratégie, une véritable politique et des moyens financiers pour mettre en œuvre cette politique. In fine, je veux ajouter également que l'Union européenne est un partenaire d'Haïti dans ce contexte-là, partenaire des trois ministères qui sont ici, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère des Affaires sociales, pour que ces trois ministères du premier cercle, qui vraiment traitent tous les jours des questions de malnutrition, soient efficaces et coordonnées ensemble dans l'effort. Pourquoi ? Parce que quand un enfant est en situation de malnutrition et qu'il va à l'hôpital, si après il est traité mais qu'il rentre chez lui et que le problème social n'est pas réglé, on va répéter le même problème à nouveau et l'enfant va de nouveau se trouver en situation de malnutrition et va devoir retourner une nouvelle fois à l'hôpital. C'est un exemple simple, mais je veux dire, pour illustrer le propos. Donc il y a besoin d'avoir des filets sociaux, il y a besoin d'avoir une production agricole, il y a besoin d'avoir des cantines scolaires qui fournissent effectivement ces repas aux enfants, donc il y a besoin d'une vraie politique coordonnée de l'ensemble des acteurs dans ce contexte-là. Et ma dernière parole sera pour dire que l'Union est un partenaire, comme j'ai dit, et nous allons mettre effectivement 40 millions du budget du Fonds européen de développement dans cette politique, avec un soutien aux trois ministères concernés très directement pour les aider dans les efforts de conceptualisation et d'action sur le terrain, avec aussi leur service déconcentré, parce que c'est là que l'action sera portée, si je puis dire, et aussi de mettre, dans les 10 millions seront consacrés à cet effort, et 30 millions seront consacrés à des actions concrètes sur le terrain, dans les zones les plus chroniquement, je dirais, en situation de malnutrition, qui sont notamment le Nord-Ouest et le Artibonite. Et comme gage de solidarité, j'ajouterai, suite à l'ouragan Matthew, un effort encore particulier de 10 millions additionnels sur le territoire du Sud. Voilà, donc on est en train de préparer la base, préparer la démarche, préparer les stratégies pour ensuite dérouler toutes ces actions efficacement sur le terrain.
3 jours de travaux. Comme le diraient les anglo-saxons, 80 made it and 80 is back. Je me souviens encore quand le directeur régional m'a parlé du forum et qu'il cherchait un pays des Caraïbes pour l'accueillir. J'ai tout de suite suggéré Haïti, où je venais de prendre fonction. J'en ai informé le ministre d'alors, qu'il a accepté, et nous avons envoyé la lettre officielle à laquelle le gouvernement a répondu favorablement. Différents challenges ont failli compromettre l'organisation, à savoir les ressources financières, l'ouragan Matthew, et j'en passe. Et chaque fois, on me posait la question, penses-tu que Haïti est capable d'organiser ce forum? Je répondais toujours par l'affirmative. Et je leur disais, donnez-nous la date et nous nous organiserons. Et nous l'avons fait. Et je dirais bien, nous l'avons bien réussi. Merci à tous les partenaires d'avoir cru en Haïti. Et je dirais un merci spécial à HEF, qui non seulement au niveau régional a apporté une contribution, mais au niveau local, nous avons travaillé main dans la main pour arriver à organiser ce forum. Les travaux de ces 3 jours revêtent une importance capitale dans la direction que nous voulons imprimer ou que nous avons déjà imprimé dans la riposte au VIH. Bien que nous soyons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs communs, c'est-à-dire mettre fin à l'épidémie du sida en Amérique latine et dans les Caraïbes d'ici à 2030, nos débats ont mis en exergue les défis principaux auxquels nous devons faire face pour y parvenir. Le retrait ou la diminution attendue de l'aide internationale aux pays de la région, en particulier en matière de santé, ne doit pas être perçu comme un obstacle à l'accélération de la riposte, mais plutôt une opportunité. Au travers de politiques et d'interventions mieux réfléchies, plus inclusives et plus efficaces, je suis convaincu que la région Amérique latine et Caraïbes a les capacités de continuer à être une source d'innovation en matière de lutte contre le VIH et à représenter un exemple à suivre dans d'autres parties du monde. Pour y arriver, la notion de responsabilité partagée ne peut se limiter à notre effort de plaidoyer auprès des responsables politiques de la région pour que les gouvernements accroissent leur financement à la riposte, mais elle doit également nous pousser à collaborer les uns avec les autres de manière plus harmonieuse, à élargir dans nos sociétés le réseau d'acteurs issus du secteur privé ainsi que le monde associatif et religieux impliqués dans la riposte, et à redoubler d'efforts pour que les plus vulnérables ne soient plus laissés pour compte. L'ONU-SIDA ainsi que les autres partenaires régionaux et internationaux représentés ici ont un rôle important à jouer. Et nous nous réjouissons d'avance de continuer à travailler avec les différentes composantes de la riposte haïtienne au VIH pour atteindre les objectifs de 90-90-90 d'ici 2020. Je suis confiant en notre capacité collective à dépasser nos différences et nos intérêts singuliers et à travailler en synergie et en complémentarité pour atteindre ces objectifs. Cette mutualisation des efforts atteste donc clairement que nous sommes tous, gouvernements, partenaires nationaux et internationaux, engagés dans une coopération plus grande pour réussir le pari qui nous attend à l'aube de 2030, en faveur de tous ceux affectés ou infectés qui nous écoutent en ce moment. Je tiens à féliciter tous les participants pour la libre discussion, le partage des idées et les recommandations faites dans les travaux et dont s'inspire cet appel à l'action qui vient d'être lu il y a quelques instants, et que nous tous, nous avons le noble devoir de nous approprier pour agir en faveur d'un renouveau
voulu par les filles et fils de notre région. Je tiens donc à réaffirmer que le gouvernement s'engage une fois de plus à poursuivre son appui à toute stratégie dans la mise en œuvre effective des recommandations sorties de ce forum. Il n'y a pas eu de soleil pendant ces deux derniers jours, mais les Latino-Américains et les Caraïbéens portent le soleil en eux. Nous avons le soleil, nous sommes le soleil. Et ce soleil intérieur va nous fournir cette énergie que nous allons mobiliser pour travailler ensemble, pour faire cause commune. Et Yaflo l'a dit, si vous voulez aller loin, allez ensemble. Oui, nous voulons aller loin. Loin, 2030, ce n'est pas si loin que ça. Mais je suis certain qu'ensemble, nous pouvons le faire. Je vous remercie et je souhaite à tous ceux qui doivent prendre le chemin du retour un bon voyage chez eux. Un bon voyage qui ne rime pas avec un au revoir. Parce que, je vous le dis sincèrement, j'ai un mauvais rôle. Celui de mettre fin à un forum où la plupart des gens peut-être veulent partir, mais celui aussi de vouloir garder beaucoup d'entre vous. Comme je ne peux pas vous garder parce que vous avez d'autres obligations qui vous attendent, je vous dirai seulement que nos portes, nos bras et nos cœurs vous sont ouverts. Haïti vous attend. Revenez quand vous voulez. Et encore une fois, merci. Nous vous attendons tous pour célébrer peut-être ici avec nous en 2030 la fin de ce fléau qu'est le sida dans la région latine, l'Amérique latine et Caraïbes. Madame Denis, c'est toujours pour moi un honneur et un plaisir de distinguer pour leur mérite des personnalités haïtiennes ayant des liens avec mon pays, la France. Et je suis très heureuse ce soir de vous accueillir à cette fin pour vous remettre cette distinction de l'Ordre des Arts et Lettres. Créée en 1957 par notre premier ministre de la Culture de la Ve République, André Malraux, connaisseur passionné des arts haïtiens, cette décoration est remise, comme vous le savez, aux personnes, aux personnalités qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Haïti a déjà été honoré par le passé avec René Depestre, Danila Ferrière, Raoul Peck. Et cette année, dans la même promotion que vous, James Noël et Guy Régis Junior ont également été nommés. Vous allez donc rejoindre ce soir cette famille de l'Ordre des Arts et des Lettres, entourée de votre famille de chair biologique, vos quatre enfants, tous quatre acteurs reconnus de la vie culturelle et artistique haïtienne et au-delà. Car en plus d'être cette grande pianiste, vous êtes cette mère aimante et aimée. J'ai pu l'observer en vous visitant, si bien entourée ce jour-là par votre fille Sibylle et par votre fils Maxence. Vous m'y aviez formidablement accueilli et je vous y avais observé, blagueuse et rêveuse, vos enfants m'ayant confirmé plus tard que c'était là deux de vos grands traits de caractère. Entre parenthèses, ils m'ont aussi dit que vous adoriez danser, mais je n'ai pas pu le vérifier ce jour-là. C'était dans votre jolie maison à Juvena, où les pianos remplacent les meubles, le piano étant, avec votre famille, le fil conducteur de votre vie. Justement, de la musique avant toute chose, pouvons-nous dire avec Paul Verlaine, si l'on veut évoquer votre parcours. Né à Port-au-Prince, vous avez très tôt étudié le piano, dans le cadre familial d'abord, puis sous la direction de professeurs éminents, avant de quitter, dès 16 ans,
Haïti pour New York, où vous allez suivre 2 années d'études au New York College of Music. Bénéficiant ensuite d'une bourse du gouvernement français, vous partez pour la France, où vous resterez 6 ans. Brillante étudiante du Conservatoire National de Paris, dont vous sortez avec la mention « Très bien ». Vous poursuivez ensuite vos études à l'école du haut perfectionnement musical Marguerite Long, Jacques Thibault. Ce lien avec la France, vous le conserverez tout au long de votre carrière par votre goût des compositeurs français, mais également en faisant profiter de vos talents l'Institut français en Haïti, cela va de soi, ainsi que les alliances françaises, ici, mais aussi en République dominicaine, ou encore à Paris, bien sûr, et plus largement dans une carrière internationale qui vous conduira régulièrement en Europe, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Au-delà de ces récitals, vous êtes connue comme grande pédagogue. Je n'ai pas à m'étendre sur ce sujet, puisque la démonstration vient d'être faite. Donc, non seulement blagueuse et rêveuse, mais aussi d'une très grande rigueur. À ce titre, vous avez écrit une méthode d'apprentissage du piano qui fait référence en Haïti. Passionnée par la transmission du savoir, par le partage, vous consacrez encore à ce jour une grande partie de votre temps à dispenser des cours de piano, avec la ferme conviction que la jeunesse haïtienne, malgré ses difficultés, doit aussi s'approprier la musique classique. Cette mission de transmission de la musique classique et d'ouverture à tous de ce style musical souvent considéré à tort comme réservé aux élites, est également portée haut actuellement à Jacmel avec le Festival international de piano, initié par une autre pianiste française, mais d'origine haïtienne, Célimène Daudet, qui jouait en cette résidence il y a un an tout juste et qui jouera à Port-au-Prince au Parc de Martissan le 15 novembre prochain. Chère Madame Denis, il est difficile de résumer en quelques mots 60 ans de carrière pianistique. Cette présentation est donc incomplète. Vous avez fêté ces 60 ans en mai dernier, lors d'un grand gala en musique au Caribée, et le public venu nombreux salue ainsi votre magnifique parcours, alors même que vous reveniez d'un concert prestigieux donné à La Havane avec l'Orchestre symphonique de Cuba. Mais je souhaiterais également, pour terminer, souligner un dernier point. Votre rôle reconnu dans la défense et promotion des compositions classiques haïtiennes. Vous en avez enregistré un grand nombre, ce qui a permis au monde de mieux connaître le style musical haïtien, le transformant ainsi d'un patrimoine national en un patrimoine mondial. Je crois que, de ce point de vue-là, vous avez été une véritable ambassadrice d'Haïti. Cet investissement que vous avez fourni toute votre vie durant pour le rayonnement des arts rejoint cette haute idée que se fait la France de la chose culturelle, la considérant comme un vecteur de démocratie. C'est ainsi qu'en parle notre compatriote Audrey Azoulay, récemment nommée directrice générale de l'UNESCO et qui était encore ministre de la Culture lorsqu'elle a signé l'arrêté vous nommant à l'Ordre des Arts et Lettres. C'est pour votre attachement au piano d'abord, à la France, à ses valeurs que vous partagez, pour votre investissement sans limite, pour faire partager votre passion et cet enseignement musical, pour votre immense talent de pianiste, pour votre très belle carrière pianistique, que je vais avoir l'honneur de vous donner cette distinction de l'Ordre des Arts et Lettres. Merci madame. Madame Denis, au nom du ministre de la Culture, nous vous nommons dans l'ordre de la Violette au titre de chevalier. Je peux vous répondre? Ah, bien, tout à fait. Excusez-moi, il faut que je prenne mon papier aussi. Voilà. Je salue. Être honoré par la France au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres est une de ces hautes distinctions à laquelle je n'ai jamais pensé qu'il eût pu m'être décerné.
l'annonce de cette nouvelle m'a d'abord coupé le souffle. Et incrédule, je me demandais comment j'allais pouvoir exprimer mon émotion et ma gratitude à l'endroit de tous ceux qui me l'ont décerné et qui m'étreignent encore. Cependant, j'avoue éprouver une immense fierté de cette remarquable attention qui rejaillit sur mon pays, sur ma famille, mes amis, mes compatriotes, et qui témoigne de la haute appréciation de votre ministère, madame, au regard de mes affinités sensibles à la musique française, dont les œuvres, quoique de facture et d'expression diverses, se reconnaissent essentiellement de l'esprit français. J'ai connu, excusez-moi. Ainsi, les audacieuses harmonies de Debussy sortant des sentiers battus, provoquant l'étonnement, scandalisant même le monde musical de son époque, ne serait-ce pas une certaine manifestation du jaloux attachement du peuple français à la liberté d'expression, qui vous est si chère, tandis que celle de Gabriel Fauré, persistant dans l'élégance de l'art aristocratique français, aux côtés de la prude mais généreuse sensibilité de César Franck. Que dire de la subtile ironie d'un Francis Poulenc, que j'ai joué aussi. Mélangeant l'humour à la gravité, il nous découvre un caricaturiste né. Cependant que Darius Milhaud, de même trempe pourtant, mais pondéré, saura rétablir l'équilibre entre le cœur et l'esprit. Alors qu'à l'opposé de Ravel, se situe Jacques Ibert dans ses joyeuses drôleries. Ne citant que cela parmi tant d'autres, je sais qu'en eux tous se retrouvent les caractéristiques de la nature française. Agréez, madame, mes remerciements émus, comme vous voyez, je suis très émue, que vous voudrez bien transmettre à madame le ministre de la Culture, madame Françoise Nyssen, c'est ça? Ministre de la Culture, ainsi qu'à ses représentants qui vous entourent. Du fond du cœur, un grand, très grand merci. Merci, madame. La ville de Tokyo, capitale principale du Japon,
a présenté à la population Pétionville et à pays. Hein. C'est deux véhicules qui devant, ils sont camions-pompiers. Et puis nous avons une ambulance que nous recevons en don des ambassades. Et le matériel, ça, c'est des matériels qui ont nécessité pour la commune Pétionville, dans la mesure où et nous, elle, plusieurs diffés prennent dans la ville, et à chaque fois diffés ça reprend, et c'est des communes sœurs qui sont obligées de venir en support, en appui pour venir aider nous. Donc je dis, nous pensons que Pétionville gagne propre pompier pâle, et ça fait nous une deuxième ambulance. Donc ça vient faire que le conseil, là, qui lui-même a réfléchi par rapport à la question et prioritaire pour la commune, vient faire de ça en priorité, et là, nous pouvons aller vers la construction du centre d'urgence communale. Nous, centre d'urgence communale, nous, qui est en tant qu'à venir là, en tant qu'il pas trop lointain, que nous pouvons faire pause de première pierre. Là. Dès que nous recevons le matériel, il y a un travail qui a commencé à faire. Parce que nous disons que, quelle que soit la quantité de l'eau que le camion est capable de porter, tout dépend des dimensions incendiaires, ou qu'il ne doit pas capable de contraindre. Sous base, nous chita, déjà avec Dinepa, nous faisons travail, côté que nous répertorions ensemble de bouche d'incendie, yo. Moi j'ai une liste là que m'a capable de montrer nous. Et là-dedans, nous avons une liste qui fonctionne. Et nous chita avec eux sur des points stratégiques, côté qui dans zone marché, yo. Et côté qui pratiquement gain gros et business, yo. Côté qui gain grande agglomération de mounio, pour que là, nous avons une liste côté que nous avons supposé placer des bouches d'incendie. Travail là, il fait déjà. Et pour Pétionville, nous avons rendu compte que si nous permettons moins, dans un gris clair l'ouverture, nous gagnons une bouche d'incendie qui fonctionne. Un gris Faubert et rue panaméricaine fonctionnel. Un gris Grégoire et Moïse fonctionnel. Un gris Grégoire et Bono fonctionnel. Un gris Rebecca et rue panaméricaine fonctionnel. Un gris Rebecca, un gris Aubran et rue Lambert non fonctionnel. Ils fonctionnent seulement le lundi. Donc, nous avons toute information pour permettre que si un incendie qui fait dans le moment, ça peut pompier à gagner liste de bouches d'incendie qui fonctionnent lieu et ça permet que vous connaissez qui côté plus près que vous capable de recharger camion pour capable faire intervention yo. Et Henri Grégoire et Hugo Henri Léonneau qui s'est entraîné dans la rue panaméricaine Henri Roger Lamar Wout frère au niveau marché télé n'a meté yon parce que nous bon tendance pour qu'avant un marché boulé et marché cocoyer n'a meté yon et puis Wout de frère zone BNC Wout de frère zone Jumbala. C'est différents côtés que nous gagnons pour que nous t'ayons placé bouche d'incendie. Nous t'ayons déplacé, nous t'ayons aux États-Unis, Fort Lauderdale, nous t'ayons dans la ville de Boyton. Ils promettent nous qu'ils ont fait un cadeau des pompiers. Parce que l'objectif final, c'est arriver vers qui ça? C'est arriver vers la construction en caserne pompiers réelle pour que Pétionville dote au moins de 6 camions pompiers et avec question de centralisation, question de blocus qui existait, pour que nous gagnions des annexes de pompiers. Thomas 725 pour que nous soyons capables de servir et premier et troisième. En bas, dans le cafou Timoulin, qui est cafou peigné pour que nous puissions différents bas peigné pour que bloc qui soit capable et gérer et pour que nous capables arriver à temps pour que nous capables d'intervenir. En tant que représentante de l'ambassadeur Yoshiaki Hata, de participer aujourd'hui à l'occasion de remise de deux véhicules d'urgence offerts en don par le service d'incendie de la région métropolitaine de Tokyo à la mairie de Pétionville. Il s'agit d'un camion pompier et d'une ambulance. Donc j'espère que vous en feriez bon usage. La vie n'a pas de prix et le respect de la vie n'a aucune frontière. D'ailleurs, le droit à la vie est l'un des principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce titre, ce geste de fraternité envers le peuple haïtien montre une nouvelle fois le souci du gouvernement et du peuple japonais d'être toujours aux côtés de la population haïtienne, de la soutenir et de l'accompagner vers un mieux-être et vers le développement durable. La représentante qui voudra bien transmettre ma reconnaissance à l'honorable député de la ville de Tokyo, M. Shikuru Ichige, pour son support inestimable et qui a rendu possible l'événement de ce jour. Ces matériels vont, à n'en pas douter, contribuer et améliorer les services ambulatoires et d'incendie dans la commune de Pétionville, a si grandement besoin. Nous savons tous les efforts que M. le maire et ses collaborateurs déploient pour répondre aux besoins de ses administrés dans un souci permanent d'améliorer les conditions d'existence de ses mandats, confrontés à la dure réalité du terrible quotidien.
Cette donation qui se matérialise aujourd'hui vient en réponse au terrible incendie qui a ravagé le 4 avril 2016 une bonne partie de Pétionville, alors que j'étais chargée d'affaires d'Haïti au Japon. J'ai entamé des démarches auprès de la ville de Tokyo par l'entremise de mon cher ami, l'honorable Ishige, qui n'a pas marchandé son concours en assurant une suite diligente du dossier avec mon collègue et successeur, l'ambassadeur Harold Joseph, et dont l'aboutissement se fait aujourd'hui. Moi, je voulais parler avec le gouvernement. Pour nous dire gouvernement, plus grande autorité, que du feu pas joué. Du feu, même gens avec tremblement de terre qui fait un pile de dégâts dans le pays. Même gens avec cyclone qui fait un pile de dégâts. Même avec inondation qui fait un pile de dégâts. Nous sommes capables de dire du feu fait beaucoup plus de dégâts que Bagay Sèvre. Parce que Bagay Sèvre passe chaque année, ou bien pas connaît chaque 2, 3, 4, 5 ans, alors que du feu lui-même lui passe chaque jour dans le pays. Incendia, sécurité incendia, c'est responsabilité de l'État. L'État doit bailler service à la population. Et nous voulons remercier l'ambassade américaine qui a construit déjà 11 belles casernes pompiers. Pour nous, dans le chef de département, yo. Et que l'État haïtien doit acheter un camion pour l'équiper. L'État n'a pas que j'aime répondre à la responsabilité ça, pour mettre un camion là-dedans. Et ça fait que je dis, ça qui, on sait le commencement, nous prenons le haut, parce que nous sommes obligés d'exploiter le moment ça pour nous parler, pour nous dire ça qui fait nous mal, et pour nous mettre l'État devant la responsabilité. 11 casernes pompiers construites. Tu dois gagner un camion pompier dans chaque chef de département, il n'y a pas gagné. L'Union européenne te fait effort, bail matériel, équipement. Nous avons un ancien camion qui est là, qui est en panne. Il n'y a pas qu'à réparer, il n'y a pas réparé. Et si nous gagnons seulement une unité qui a marché, nous gagnons Carrefour, il y a deux machines qui ont marché. Nous gagnons bientôt Pétionville parce que le camion, nous avons un petit travail pour nous faire la donne. Malheureusement, les vignes sont sûres. Malheureusement, les filières sont différentes. Donc, petit travail, ça, il faut que vous fassiez. Pour nous rendre opérationnels. Donc, mes amis, président de la République, mon capitaine de nous, mon gouvernement, prend responsabilité nous pour nous recruter sapeurs-pompiers qui déjà là en dedans, département, pour nous faire le travail comme pompiers. Et puis pour nous mettre service d'incendie sur pied. Parce que si nous voulons développement, si nous voulons investissement, il faut que l'investissement nous soit capable de garantir. Comme législateur, moi-même, je suis toujours battu comme mandat pour mon travail, pour renforcer l'État. Parce que plus que jamais, l'État d'Haïti, en 2017, nous avons l'État que nous continuons à construire. Parce que l'on a bien regardé la question de stabilité dans le pays, la question d'institutions qui manquent, l'important. Pour nous-mêmes, comme législateurs, l'important pour toute autorité qui est dans l'État, conscient du travail qu'il y a pour faire. Comme ça, je profite de bravo pour l'intervention que l'OMH, pas intervention, responsabilité que l'OMH a gagné dans la présentation que l'OMH fait aujourd'hui sur la question de réforme de l'État. C'est vrai, moi-même, comme président de la Commission culture, je dis toujours tout le monde ça. Ministère culture, par exemple, son ministère qui a 23 ans depuis l'existé, beaucoup de gens me songent qu'un parlement qui vote loi organique. On nous prend par exemple le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a une loi organique qui datait de 1987. Donc, il était plus que nécessaire, aujourd'hui, pour question réforme l'État à fait vrai. Le président de la République, là, est, pendant 5 ans, a décidé pour rentrer environ 12 000 jeunes dans l'administration publique. Là. Et je dis, c'est recrutement qui va le faire, c'est sous concours recrutement qui va le faire. Mais attention, seul bagage à nous voulons dire, population, et pour les gens qui comprennent qu'ils sont réformes dans l'État, c'est que l'exécutif là, je dis, à travers l'OMRH et à travers la commission interministérielle qui travaille, ils ont même pensé réforme. Non? Mais nous voulons dire, réforme dans tout, les étapes qu'ils vont passer, il faut le passer par le pouvoir législatif là. Il faut le passer par la Chambre des députés, il faut le passer par le Sénat. Ça veut dire qu'il faut le ratifier. Et là, moi, je voulais dire exécutif là, bravo. Mais d'abord, je dis bravo. Il faut songer tout dans la procédure là. Pendant l'exécutif là, capable de gagner l'initiative là. Mais pendant l'initiative là, l'initiative ça va venir devant le Parlement. Il va venir devant le Sénat, il va venir devant la Chambre des députés. Mais ça qui tape intéressant, ça qui tape intéressant, c'est déjà dans la démarche. Pour nous penser l'organique ça,
dans démarche OMRH a fait gros travail ça, son gros travail. Il est important des fois pour exécutif là ta pensé à soit commission qui travaille dans parlement, commission qui travaille dans chambre des députés, commission qui travaille dans sénat. Si commission était impliquée déjà dans le travail d'initiative là, dans le travail de réflexion, il t'a fait dès qu'on y a le projet de loi ça, exécutif a fait statut sous lui. Le voyer dans parlement, pas oublier son espace de débat que lié et ça qui arrivé un projet de loi vini et puis assemblée a rejeté le faut pas oublier ça tout ensemble de réformes ça qui présenté a ça va venir c'est là qui arrêté ligué pour le passer cap pouvoir législatif là et nous avons souhaité à la longue que le exécutif là a pris initiative ça il est important des fois pour nous inviter des parlementaires participer dans la réflexion. Leur participer dans la réflexion, la commission est venue à l'aise. Parce qu'il faut rappeler la procédure pour les gens qui suivent et pour les gens qui sont intéressés à la question de l'État dans le pays. L'exécutif, chaque fois qu'il y a une initiative, là, leur fini, il faut le voir sous forme de loi dans le Parlement. Leur voir sous forme de loi dans le Parlement, c'est un espace de débat, son espace de contradiction, son espace dialectique. Ça va vous dire, leur fini, son bagage n'est pas arrêté, son bagage n'est pas ratifié. Non! Débat capable de faire un projet rejeté. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple bien simple. Exécutif là, voyez un projet de loi sous le nom de ministère. Eh bien, projet ça, il campé, oui. Pendant qu'on parle de réforme dans tout, il y a une question, on n'a pas de réforme pour l'administration publique là. Mais je dis à l'exécutif, les statuts sous le nom de ministère qui doit gagner, oui. Eh bien, question ça, l'Assemblée au niveau de la Chambre des députés, nous devons rejeter lui. Nous demandons pour nous retourner le bas exécutif là et le tourner bas exécutif là. Donc, on a précisé aux populations hein, que l'État, son État l'a construit et de très souvent, il l'a construit tout pouvoir impliqué là-dedans. Donc, encore une fois, bravo pour réforme qui pensait à, mais pas oublier, réforme dans son initiative que lié, le Parlement qui vous statue sous lit pour le ratifier. Depuis 1927, Haïti a besoin d'un conseil électoral provisoire. Le premier pouvoir actuel là, il prend décision de capable finir avec le conseil électoral provisoire pour que le pays soit doté d'un conseil électoral permanent. Mais nous-mêmes, dans la prérogative que nous gagnons dans la Chambre des députés ou bien dans le Parlement, nous sommes capables, c'est nous qui choisissons trois membres que le pouvoir législatif là gagne pour voter dans le conseil électoral permanent. Nous-mêmes, nous attendons. Comme une commission bicamérale qui est formée pour capable étudier le dossier Mounio, nous avons un message clair à la commission pour travailler avec toute honnêteté, pour travailler avec toute franchise pour que dans l'Assemblée nationale qui va gagner pour nous faire choix Mounzao, pour que nous fassions payer à grâce pour nous choisir des mouns honnêtes, des mouns capables, des mouns qui pas paix, travail pour le pays et des gens qui sentent que sont capables de rendre le pays à service. L'histoire dit nous en pile bagaille des conseils électoraux provisoires qui passaient. Mais comme le conseil électoral permanent il a un mandat bien déterminé et chaque monde a un mandat là-dedans, je crois que avec le conseil ça, a bien normalement une satisfaction de peuple haïtien les qui au fin font choix pour que choix offert les respecter normalement exactement moi-même m'opter pour capable choisir monde qui conséquent monde qui honnête et monde société a fait crédit pour faire partie de conseil électoral permanent qui vient pour capable mettre sous pied sous peu là. Nous connaissons dans la justice là. Dans la réalité judiciaire, il y a un ensemble de problèmes qui sont transversales. On nous garde par exemple la grève greffier. La grève greffier a affecté tout le système. Là. Et ça fait, après, nous invitons le ministre de la justice, la commission justice, là, nous invitons le ministre de la justice là, pour 24 octobre. 24 octobre, il y a une lettre qui dit que pour reporter rencontre à la 8e, qui c'est demain si Dieu veut, eh bien, nous reporter et pour nous accepter pour lesquels nous avons un empêchement. Et nous soulever tout point ça là-dedans pour le ministre de la justice lui-même lui expliquer clair ou clairose
comment situation prisonnier a évolué en prison. Question détention préventive prolongée, d'abord nous demander pour le marché avec près de 7 commissaires de gouvernement à travers le pays. Parmi eux, commissaire gouvernement pour Port-au-Prince, commissaire gouvernement au Kalala dans tout. Nous demander pour le marché à ensemble de monde qui concerné, nous demander pour le marché à directeur général de la police. Nous demander, comme littéralement nous reportons, nous reportons pour demain si Dieu veut, c'est jeudi. Eh bien, commission justice là, aptant de mini justice ensemble avec toute autorité ça qui mentionné dans l'invitation pour lui-même lui venir rendre compte bail commission justice en chambre des députés. Est-ce que vous avez posé des questions sérieuses qu'on nous a dit avec ah oui, bien sûr, là, je ne crois pas que j'ai besoin de tout ça parce que c'est un travail qu'a fait ouvertement dans la commission, on n'a pas capable de venir la presse à plat, il y a capable ouais si des questions sérieuses poser yo même tout. Après, ce travail à la fin de fête, il y a qu'à poser question tout à ministre. Les prisonniers et dans les tuyaux, ils mettent en face sous le système de justice là qui a mal fonctionné, grève qui est dans le système qui empêchait que les jeunes libérations à temps. C'est une question ça, ils ont demandé que le chef de l'État intervenu pour capable de permettre que la justice de bien fonctionner. Moi, dis-nous ça déjà. Moi, expliquez-nous que en tant que président de la commission de justice, et d'abord en tant qu'être humain, moi, sensibiliser sur la question. Et c'est ça même qui motive, qui fait que moi invité ministre justice là de concert avec toute membre commission justice là. Lui même il écrit formellement, il mandé un report à la quinzaine et report ça lui tomber demain si Dieu veut. L'essentiel député c'est noté et vous prisonnier. C'est préoccupation de l'étendre sur note et prisonnier. Moi dis que moi préoccupé et me préoccupé moi même en tant que membre pouvoir législatif là, dans pouvoir contrôle moi nous invité ministre justice là parce que c'est lui même qui gagne baguette là dans mail, c'est même qui gagne renne dans la mêle pour nous connaître qui s'est passé. Nous connaissons le pays a gagné trois phases de plantation que le ministère de l'Agriculture a dû accompagner les agriculteurs. C'est la campagne printemps qui représentait 60% de la plantation agricole pays a que le gouvernement, dans la phase de préparation, c'est le salle d'ap monté, pas de gain aucun appui du ministère de l'Agriculture à l'agriculteur. Au mois de mars, avril, qui c'est campagne printemps. Et actuellement, nous sommes en phase de préparation campagne d'hiver. Ça veut dire campagne d'hiver, c'est surtout plantation haricots noirs qui est faite à travers le pays, surtout dans la plaine irriguée. Nous-mêmes, députés, dans le moment où nous avons voté le budget rectificatif, là, nous avons dit que le gouvernement n'a pas mis l'argent dans le budget pour préparation et campagne ça et nous t'ai ajouté dans cadre aménagement nous t'ai fait dans budget au niveau chambre député à 100 millions gouttes pour préparation campagne d'hiver là et jusqu'à présent ministère là pas commencé ni travail sur question campagne plantation d'hiver là ça veut dire nous déjà pas gagné en bonne préparation de plantation si nous pas gagné en bonne et préparation de plantation, ça veut dire nous déjà pas gain récolte, on plus bon récolte haricot dans le mois janvier février. Donc ça veut dire nous connaît haricot c'est un produit qui plus cher dans le panier ménager en Haïti. Donc si pas gon appui depuis dans préparation plantation, ça veut dire nous pral gain problème dans récolte là et nous connaît l'arrivée du mois d'avril, c'est le mois soudure, donc c'est le mois de misère d'habitude qui a une carence en alimentation. Donc, si déjà pas de préparation, c'est déjà nous capables de prévenir le mois d'avril et le mois de mai, c'est déjà un mois qui est capable de durer pour le peuple haïtien qui est déjà dans une situation difficile. De la célébration du 23e anniversaire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Il est devenu en effet une coutume de se réunir une fois l'an pour examiner le chemin parcouru par notre institution et d'envisager ensemble les corrections à apporter et les perspectives d'avenir. Rappelons pour l'édification de tous que le MAV a été créé en novembre 1989, suite aux demandes répétées de nos compatriotes vivant en terres étrangères afin de faciliter et de renforcer l'implication de la diaspora dans la vie économique, sociale et politique du pays. Le MAV, entité à caractère transversal,
a donc pour mission essentielle de répondre aux attentes de la diaspora en étant son porte-parole auprès des autorités gouvernementales et de promouvoir, d'orienter et de faciliter la coopération entre les Haïtiens vivant à l'étranger et ceux à l'intérieur du pays en vue de leur pleine participation dans la reconstruction nationale. Face à cette diaspora composée d'un tissu d'organisations régionales et professionnelles en constante progression et dotée d'un important capital humain dont les transferts d'argent se révèlent indispensables pour la survie de notre pays, le MAV veut adopter une vision simple et claire avec des objectifs réalistes visant à mettre nos compatriotes à l'extérieur en confiance et en condition de mieux contribuer au bien-être de leur pays d'origine. Les programmes et projets en cours d'exécution au MAV ont pour objectif de permettre aux Haïtiens de la diaspora de maintenir les liens les plus étroits avec la mère patrie. Ils sont conçus en fonction de la feuille de route qui en compte le renforcement et la canalisation des forces vives de la diaspora vers Haïti, de leur implication dans le processus de développement durable du pays et de leur intégration politique, économique, sociale dans la vie nationale. En effet, le MAV participe avec les autres composants du gouvernement dans l'orientation et la définition de politiques publiques qui défendent les intérêts stratégiques de nos compatriotes qui ont choisi de vivre à l'extérieur du pays. Nous travaillons actuellement à la mise en place des dispositifs nécessaires à l'intégration politique de la diaspora en Haïti. Un avant-projet de loi portant sur le vote de la diaspora aux élections présidentielles, rédigé par le MAV, est soumis pour avis de l'unité juridique au secrétariat général de la primature. Et dès ce mois de novembre, l'accès à la carte d'identification nationale, plus connue sous le nom de carte électorale, sera accessible sur demande à travers les consulats de différentes ambassades d'Haïti de l'Amérique du Nord, car déjà un protocole de partenariat vient d'être signé entre l'Office national d'identification, l'ONI, et le MAV sur la mise en place des dispositifs nécessaires à l'obtention de cette carte. L'intégration pour le MAV sera liée à des droits et des devoirs. Sur le plan économique, nous nous attendons à ce que la diaspora haïtienne investisse véritablement en Haïti dans tous les secteurs de l'économie nationale. Nous mettons en place des incitatifs et même des projets visant à offrir d'autres alternatives économiques, facilitant la rétention des Haïtiennes et Haïtiens sur le territoire national et impliquer la diaspora dans le processus de développement économique du pays. L'exécution du projet de la construction de 3 villages agricoles à Wanamet, Belader, Ansapit, qui va voir le jour d'ici la fin de cette année, s'inscrit dans cette démarche. Le protocole d'accord avec l'organisation IFER internationale pour l'accompagnement technique dont bénéficieront les fermiers des différents villages est fin prêt et je procéderai à sa signature d'ici la semaine prochaine. Des fonds vont être dégagés pour leur accompagnement financier. Dans la même veine, des cadres du ministère et d'autres institutions concernées vont recevoir une formation à l'étranger dans la perspective de la conception et de l'exécution d'une version haïtienne du projet 13 pour 1.
C'est un projet mexicain qui a permis à la diaspora mexicaine de contribuer largement au développement du Mexique. Je vous invite à participer pleinement aux festivités marquant ce 23e anniversaire et au nom du gouvernement Moïse Lafontaine, je vous souhaite à tous, à toutes, mes chers employés du MAV, ad multos años. Plainte que nous recevons au mois d'octobre 2017, c'est au nombre de 62. Et plainte qui était, nous avons dit, qui était plus récurrent que nous recevons, c'était pour agression, qui était 6. Il y a 11 plaintes pour menace, il y a 6 plaintes pour violence, et il y a tout 6 plaintes pour dette, et puis il y a 8 plaintes pour refus de prendre soin. Donc c'est ça qui était paraît bureau, dans plainte que nous recevons pour le mois d'octobre. Acte d'enquête que chaque division met ensemble réalisé pour moi, c'est 70 dossiers que j'ai traité pour moi d'octobre blanc, mais pour traiter 70 dossiers ça, j'ai gagné 696 actes d'enquête qui permettent nous arriver à traitement 70 dossiers. Donc 696 actes d'enquête ça répartis comme ça, 205 convocations, 178 auditions, 32 enquêtes de voisinage, 34 invitations, t'as gagné 18 confrontations, t'as gagné 22 médiations, nous t'ai fait 12 mesures conservatoires, nous t'ai fait 9 levées de mesures conservatoires. Nous t'ai gagné également 3 mesures d'isolement. Maintenant, état des dossiers pour le mois d'octobre 2017, enquête ouverte, il y a au nombre de 88 et dossiers signés et expédiés au directeur général de la PNH, il y a au nombre de 70. Donc il y a 70 dossiers que IGC signé et vous bail le directeur général pour le mois d'octobre 2017. Nous avons fait 4 isolements. Donc isolement ça c'était pour trafic de stupéfiants, c'était pour 2 homicides et puis une pour mauvais traitement. Nous avons gardé ensemble avec la graphe qui représentait dossier que nous traitons de janvier à octobre 2017. Et jusque la chiffre qui piroua, c'était en janvier 2017 qui était 90. Et ça qui vient en bas, là, c'était 83 en juillet, qui suivi par 76 en mai, 72 en juin, 71 en août et enfin 70 en octobre. Donc, nous estimons que l'écart pas trop gros que ça. Éléments de recommandation dans le dossier SAO, nous gagnons 9 mises en disponibilité, 25 suspensions, mais nous avons tout 28 classements. Classement, ça veut dire que c'est des dossiers qui ont été plaintes pour eux, et le noir analysé, nous avons dit plainte n'est pas fondée, et l'inspection générale demandé, recommandé à ce que vous classez le dossier SAO. Nous avons tout 55 avis au pléant. Avis au pléant, c'est lorsque le pléant vient porter plainte là, nous recevons plainte. Nous traitons le dossier et nous relèvons pour nous dire mes résultats qui sortent dans la plainte que nous déposons. Si nous pas les deux policiers sanctionnés négativement, il faut faire balançant, il faut faire équilibrant par rapport aux policiers qui ont été félicités pour le mois d'octobre 2017. Nous prenons le département sud-est, nous avons 8 policiers qui étaient félicités par le directeur départemental, donc c'était en fait tout. Félicitations, tout le monde nous va parler là, c'est pour sens d'engagement, le travail yo, que le directeur départemental a choisi voyer pour une lettre de félicitations. C'est Petit Jacques Onesifor, inspecteur principal, la travail Jacques Mel, Victor Gary, inspecteur municipal, Alexis Nelson, La Douceur, Marjorie, Saint-Val Pierrot, Jean-Maxime, qui est un agent 1, La Guerre Jean-Claude, inspecteur principal, Joseph Louis-Jacques, inspecteur principal. Ça, c'est direction départementale sud-est.